En Italie, des élections municipales partielles ce dimanche sous forme de test pour le Premier ministre Matteo Renzi. Plus de 1300 municipalités élisent leur maire, mais les Italiens ont les yeux rivés sur Rome, où le maire sortant démissionnaire était justement membre du parti de Matteo Renzi. La capitale est gérée depuis octobre par un préfet et les Romains sont mécontents de l'état de la ville éternelle. Comment donc la capitale de notre pays peut avoir cet aspect-là? C'est honteux pour Rome, dit cet homme, un scandale. Les transports publics sont dans un état pitoyable, dit cette femme. Les ordures jonchent les trottoirs et regardez-moi ces trous dans la chaussée. À Rome, la favorite des sondages est la candidate du mouvement populaire et anti-élite 5 étoiles. Elle s'appelle Virginia Raggi et c'est une avocate de 37 ans. Sur la droite de Virginia Raggi, Alfio Marchini de la Ligue du Nord et surtout Giorgia Meloni du parti Fratelli d'Italia. C'est elle qui pourrait créer la surprise et se qualifier pour le deuxième tour aux dépens de Roberto Giachetti, le candidat du Parti démocrate dont Matteo Renzi est le secrétaire général.